fait très longtemps que je n'ai pas participé à votre monde. J'ai recréé le mien. Je m'y suis enfermé dans mon petit appartement de quelques mètres carrés. Ce n'est pas que je vous aime pas. Mais vous me faites peur. Une peur inhibitrice. Irrationnelle. Une peur étrange et omniprésente. C'est vous qui avez décidé de nommer cette maladie de façon péjorative. La phobie sociale. Grain, c'est moi. C'est maman. Mon grain, s'il te plaît. Mon grain, ouvre-moi. Marc, c'est assez. Ça va faire bientôt 3 ans que je viens te voir régulièrement. Si tu m'ouvres pas, je reviendrai plus. Pour moi, ce n'est pas une maladie. C'est seulement une conséquence de votre mode de vie. Je m'excuse, maman, d'en être arrivé là. S'il m'était resté un peu d'espoir, je m'aurais peut-être battu. Je m'aurais peut-être battu pour tous ces gens et pour toi. Mais je l'avoue, j'ai trop peur. Trop peur de rien pouvoir changer. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi que ça touche. Et c'est ça aussi que j'ai peur, maman. D'être le seul. Mais je crois que d'autres réaliseront bientôt que dans notre vie, l'individualisme est devenu une norme. Tu verras maman un jour. Un jour ils se réveilleront. Un jour ils me comprendront. Moi par contre, je ne suis qu'un témoignage. Un homme à part.